L'école d'autrefois était différente de celle d'aujourd'hui. Les élèves vont à l'école à l'âge de 7 ans. Il n'y avait pas de transport. Ils allaient à pied. L'école d'autrefois était différente de celle d'aujourd'hui. Les élèves vont à l'école à l'âge de 7 ans. Il n'y avait pas de transport. Ils allaient à pied. Tous les écoliers portaient des blouses pour ne pas se salir. Les filles et les garçons étaient séparés. Ils ne jouaient pas ensemble dans la cour. Tous les écoliers portaient des blouses pour ne pas se salir. Les filles et les garçons étaient séparés. Ils ne jouaient pas ensemble dans la cour. Les classes étaient sombres avec des pupitres en bois. Les élèves écrivaient avec des plumes et de l'encre. Il y avait la classe toute la journée, sauf le vendredi et le dimanche. Le maître était sévère. Il donnait des coups de règle sur les doigts et sur les pieds pour les élèves qui font des bêtises, qui faisaient des bêtises. Les classes étaient sombres avec des pupitres en bois. Les élèves écrivaient avec des plumes et de l'encre. Il y avait la classe toute la journée, sauf le vendredi et le dimanche. Le maître était sévère. Il donnait des coups de règle sur les doigts et sous les pieds pour les élèves qui faisaient des bêtises ou ceux qui ne travaillaient pas bien. Le maître était sévère. Il donnait des coups de règle sur les doigts et sous les pieds pour les élèves qui faisaient des bêtises ou ceux qui ne travaillaient pas bien. La cantine était réservée pour les enfants qui habitaient loin et ceux qui sont pauvres. La cantine était réservée pour les enfants qui habitaient loin et ceux qui sont pauvres.